Ouais, petit pote, ça dit quoi la zarmer? Bon, il faut que je m'explique sur plusieurs choses. Bah, en fait, c'est même pas besoin de m'expliquer, mais c'est juste que, ouais, l'épisode d'aujourd'hui, je pense qu'il va être court. Tout simplement parce que, comme vous avez pu voir dans l'épisode précédent, je me suis niqué le dos. Et je pensais vraiment au début que ça allait être un petit truc tranquille, mais au final ça m'a vraiment pesé pendant longtemps, tu vois ce que je veux dire. Et c'est l'une des raisons pour laquelle aussi j'ai pas sorti de vidéo la semaine d'avant. Et la semaine dernière j'ai pas sorti de vidéo parce qu'en fait j'étais concentré sur autre chose. Donc je vais vous expliquer. Là j'ai des petites vidéos, d'accord. J'ai des petites vidéos à l'entraînement, donc tu sais je vais les passer pendant que je parle, etc. Il y a des petits moments drôles et tout, je vais vous montrer ça. À l'aise. La semaine dernière, elle avait failli de ouf, j'ai pas pu filmer. C'est que dans nos pensées, là. La dernière, je comprends pas. Et ok. Oh. Let's go. Maintenant, enchaînez, s'il vous plaît, monsieur. Merci. Enchaînez, s'il vous plaît. Bah ouais, frère. Il pensait que c'était... Oh, mais il est fou, lui. Oh, bien sûr, c'est deux. Quand je me suis niqué le dos, j'ai voulu recommencer à m'entraîner. Moi, je me suis niqué vendredi. Le week-end, j'ai rien fait. Lundi, j'ai repris la course. J'ai pas pu tout faire, ça m'a baisé. Mardi, je me suis entraîné et j'ai filmé. Je me souviens très bien, j'ai filmé quand je me suis entraîné. Et j'ai même pas pu faire la séance. Ouais, j'ai pas pu continuer la séance. C'était impossible pour moi de continuer. Alors, je mettais juste des poids un peu sur mes épaules et tout, c'était dead de ouf, je pouvais pas. Et là par contre ça faisait hyper mal, mais genre c'était insupportable, mais je vous jure insupportable, c'est une douleur, mais c'était atroce. J'ai pris rendez-vous chez un kiné, le service était incroyable, frère. J'ai pris direct, j'ai pris la séance, 1h30, je fais sauna, bain froid, après 1 heure de massage, la tête de homme, je suis sorti de là-bas. Déjà, tu sentais quand même que la tension au niveau du cou, elle était vraiment, vraiment, vraiment détendue. Et mon dos, je sentais encore une douleur, mais c'est normal, tu sais, quand tu sors du massage, c'est sûr que tu sens encore. Mais beaucoup moins. Et après ces jours-là, le bail, il part totalement. Je suis archi bien, je suis content. Tout est cool jusqu'au moment où on arrive le... c'était quand? Mardi de la semaine dernière. Je crois que c'était le jeudi, ouais. Là, c'était le jeudi, on arrive le jeudi. Et là, je m'encule. Non, c'était le vendredi. Ah, je sais plus, frère. Bref. Et là, je me nique encore, je sais plus comment, parce que j'ai voulu pousser trop lourd à quoi. On avait le push press, d'accord? Enfin, le split jerk. Et moi, je faisais du push press parce que je voulais pas faire trop de tension sur mon dos. Et là, je fais du push press et je mets juste 60 kilos. Je dis, ouais, c'est trop facile. Et je me dis, dans la tête, je me dis, je peux pousser plus. Golemon, je pousse plus, je m'encule le dos, genre j'ai mis quoi 80 kilos, je me baise le dos et là j'ai même pas pu m'entraîner. De toute la séance, j'ai pas pu m'entraîner et je me suis dit putain ça va revenir, ça va me hanter à vie, je sais pas quoi, un an. Après je lui ai dit tu sais quoi, dis sa mère, t'entraînes pas, fais autre chose, focus-toi sur autre chose. On dirait la chose sur laquelle je me suis focus, ça m'a permis de d'enlever cette douleur, j'ai pas capté. Et là au jour d'aujourd'hui, alors que je vous parle, bah, j'ai rien du tout. Je suis archi bien ce matin, j'ai pu m'entraîner. Bah, pas à fond encore, tu sais, je fais quand même attention parce que c'est une semaine d'e-load. La semaine d'e-load, comme je vous ai déjà expliqué, c'est celle où on met pas beaucoup de poids, on fait pas beaucoup de séries parce que c'est la semaine de repos, entre guillemets. C'est une semaine de relâchement. Et du coup, c'est ça. Donc là, j'en profite. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'entraînement. Il n'y aura pas d'entraînement la semaine prochaine. Juste peut-être une course que je vais filmer parce que il y a un gros cardio à la fin. Et c'est tout, il n'y aura pas parce que c'est une semaine off. Parce que les joueurs universitaires reprennent les camps. D'accord. Ce qui fait que après on va partir sur un vrai programme, etc. Et là on va vraiment entrer dans le bain de la préparation pour l'ELF. Et ça va chier, frère, ça va être énervé. Donc c'est ça. Donc semaine prochaine il y aura un épisode, mais ça va être un épisode assez spécial. Je vais réfléchir encore sur ce que je peux faire, mais ça va être un épisode très spécial. Et c'est ça, vas-y, je casse pas les couilles, gros chien. Bon là je dois faire 20 push-ups avec 5 secondes de descente, 1 seconde en bas. On va mettre le chrono comme ça, c'est des vrais 5 secondes. On va voir si je vais réussir, j'ai parlé. T'as parlé, faut assumer. Tu comptes Ouzi? Attends, qui compte gros? T'inquiète, Ouzi, il compte. T'inquiète. Ok.
Ok, ok. Vas-y. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Garde des fois. 4, 5. C'est 14. Let's go, dernier. Il a dit 20, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 15. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Ouais. Comment c'est lourd, sa mère. Ouais, c'est trop long. Wesh. Oui, c'est 1. 2. Wesh, bâtard. T'as assumé. T'as assumé. Let's go. Attends. Oh. De ma gueule! Wesh! Moi je suis plus sale, bâtard! Plus! Tiens, vas-y là! Qu'est-ce que tu as dit à la tête du spectateur? Non, non, gros, c'est un chien, elle fait exprès. Je fais exprès. Tête de wam. Non, je prenais un. C'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Non, je jogeais. J'ai trois trucs à vous dire aujourd'hui. Je suis sur une diète de fou malade. Pourquoi en fait je fais ma diète? C'est parce que en fait depuis que j'ai commencé l'entraînement, je me sens archi lourd. Mais genre vraiment archi lourd. J'étais à 109 kilos, 108, 109 kilos. Je le sentais quand même sur le terrain. Tu vois, je le sentais sur le terrain. Oui, j'ai pris en muscle, etc. Mais je perdais pas vraiment en gras. Je vous explique pourquoi. De 1, je buvais pas beaucoup d'eau. Genre vraiment sans faire mytho, je buvais pas beaucoup d'eau. De 2, je faisais pas vraiment attention à ce que je mangeais. C'est-à-dire des fois je mangeais bien, mais des fois je mangeais de la merde, genre je mettais des sauces et tout, à tout va. Et tu sais, c'est pas le meilleur moyen, on va dire, si tu veux performer, tu vois. Et de 3, c'était 2. Ouais, bref, et de 3, je me tue à la chicha. Ah ouais, je me suis à la chicha quand même. J'en faisais au moins peut-être 4 par semaine. Et quand est-ce qu'il y a eu le déclic? Déjà, c'est parce que déjà, je me sentais trop lourd sur le terrain, ça me cassait les couilles. Et il y a eu un déclic quand j'ai fait une recherche sur internet et j'ai vu que la chicha, ça faisait grossir dans le sens où ça influe sur le sang, etc. Ça provoque des bails de diabète, des trucs d'obésité, je sais pas quoi là, là. En tout cas, ça fait une dinguerie. Et tu sais, tu accumules beaucoup de gras quand tu as mangé, tu vas stocker beaucoup de gras justement parce que ça fait un bail avec le sang. Bref, un truc de ouf. Et j'ai vu plein d'articles qui disaient ça. D'accord? Et là, j'ai dit, tu sais quoi, je stoppe ça direct. Je me fais une diète de fils de pute. Là, j'ai la même déter que dans la vidéo perte de poids. Je vous jure, j'ai une déter de fou malade. Là, je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Je mange des bails de brocoli, lentilles, haricots noirs, du riz brun, mon steak de soja ou du thon, des conneries comme ça. Vraiment carré de fou malade. Je mets pas de sauce, pas de sel, juste peut-être des petites épices pour avoir du goût. Mais sinon, rien, sa mère. Là, je mange même pas pour kiffer. Là, je mange juste pour survivre. Là, croyez pas, je mange. Ouais, en mode, ouais, je suis content de manger. Ma bite. Le seul moment où je suis content de manger, c'est le matin. Parce que c'est mon petit déjeuner. Je garde le même petit déjeuner que de base. Et non, frère, c'est mort. Je mange juste pour survivre. Je m'en bats les couilles. Les bêtes de quand j'ai faim la journée, je mange 2 galettes de riz. Alors là, quand je te dis, je suis déterre de fils de pute, vous allez voir seulement. J'ai commencé quoi? Il y a une semaine et demie, 2 semaines, je suis à 105 kilos. J'ai perdu 4 kilos, frère, 3-4 kilos. Mais là, je vous dis, frère. Vous, frère, je rigole. La tête d'homme, là, je suis colère. Je suis très, très colère. Et c'est ça pour la diète. Donc voilà, nouvelle diète. T'inquiète pas, rien ne change à part freezer. Tu sais déjà qui je suis. Et le dernier truc. Ça y est, j'ai enfin une identité visuelle. J'ai bossé tout le week-end de la semaine dernière, là. Tout le week-end sur un logo. Parce que j'ai une conversation avec un pote à moi, pour ceux qui connaissent Yasko. On a parlé pendant longtemps.
on s'est dit qu'il me fallait une identité visuelle qu'on n'avait pas, il n'y avait pas de code couleur, il n'y a rien pour m'identifier, il y a juste Freeman, mon prénom pour m'identifier, mes locks. Et il me fallait un truc, tu vois, un logo, quelque chose, où quand tu le vois, tu dis ah ouais, ça me rappelle Freeman. Et il fallait ça, il fallait aussi un nom pour la communauté, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, mais il n'y a personne qui peut montrer qu'ils me suivent, vous voyez ce que je veux dire. Comme par exemple pour la Carmine Corp, t'as cassé, t'as pour BMS, t'as BMS frère, c'est ce que je veux dire. Donc tu sais, il y a des choses qui font qu'on les reconnaît. Et moi j'ai dit, bah la tête d'homme, je vais faire un truc pareil, dans le sens où je vais avoir un acronyme, un code couleur et un logo. Du coup on a parlé sur ça et j'ai taffé tout le week-end. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est un autre truc que j'ai fait qui a fait en sorte que mon dos se répare, je sais pas. Mais quand je travaillais dessus, mon dos il allait archi bien, parce que je pense que j'étais juste trop content et trop euphorique, ce qui fait que... j'ai pas, ça m'a mis bien. Désolé pour la lumière en fait. Je sais pas, je voulais juste changer d'angle et c'est une lumière. Bref, on s'en bat les couilles. Et c'est ça. En gros, bah, je vous montre le logo. Voilà à quoi il ressemble. Il est simple, efficace, aux couleurs de Freezer. Que l'amitié, je vous explique pourquoi que l'amitié. En gros, que l'amitié, c'est vraiment, c'est ma base, d'accord. On parle trop souvent de la famille. C'est la famille, ceci, cela, mais on parle jamais de l'amitié. Parce que sachez une chose, on ne peut pas choisir sa famille. Mais ses amis, on peut les choisir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tes amis, ça va être toujours un truc qui te représente toi, en fait. Tu vois, tes vrais amis, là, je parle. C'est des gens que tu as choisis parce que tu as vu que vous avez des choses en commun, etc. Et qu'il y avait cette énergie, cette chimie entre vous, tu comprends? Et c'est pour ça que c'est vraiment important l'amitié. Nous, on kiffe l'amitié. Donc, dans mon groupe, là, on a un groupe WhatsApp, c'est marqué groupe de l'amitié. Et c'est pas pour rien, c'est pas des conneries. Je vous jure, les bails d'amitié, pouvoir d'amitié, tout ça, c'est. On joue tellement dessus. Et en fait, c'est pour ça que j'ai mis ça, que tu es l'amitié. Parce qu'en gros, on va jouer à mort là-dessus. Tu vois. Donc, quand je vais gagner des matchs, des combats, peu importe, etc., on va dire, ouais, c'est grâce au pouvoir d'amitié, ceci, cela, tu sais, des trucs en coop. Plein de choses comme ça. On va grave jouer dessus. Et puis, c'est archi drôle. Tu vois, je kiffe, c'est bonne ambiance, bon enfant. Et puis voilà, c'est ça. Et. Ce qui fait que l'acronyme de mon acronyme, voilà, qui va me représenter et qui va vous représenter aussi, ma communauté, ça va être QLA. Voilà, que l'amitié. Aussi simple que ça. Donc c'est ça. Voilà, maintenant mon code couleur, c'est le violet, rose, blanc. Les couleurs de Freezer, parce que je suis fan de Freezer dans DBZ. Et j'aime trop DBZ. C'est la base, frère. Tout le monde sait que c'est la base DBZ. Et puis c'est ça. Voilà, écoutez, j'ai mon petit logo. Le logo de la commu, je vais commencer à me faire des petits kiffs, à faire des fonds d'écran, des ceci, cela, et puis c'est cool. Parce qu'on envisage quelque chose de gros quand même, tu vois. Là, on commence comme ça, je bâtis mon empire petit à petit, et puis à l'avenir, qui sait, peut-être qu'on ouvrira une structure e-sport. En tout cas, les amis, prenez soin de vous, et puis on se pète la prochaine fois, les petits potes. Peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul, tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas, mais bon.